tous et bienvenue dans la deuxième capsule des Fêtes des musiques juives en air, organisée par la Maison de la Culture Juive. Nous espérons que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop compliqué. C'est au tour de David Baltouche, musicien, interprète, compositeur et chercheur, de nous faire profiter de sa musique. David apprend le piano et la guitare dès son plus jeune âge et décide d'en faire ses études. Il enseignera le piano, l'harmonie et l'analyse musicale pendant près de 15 ans, avant de diriger l'Académie de Farsienne pendant 23 ans. Depuis 2018, il enseigne l'histoire de la musique et la formation musicale élargie à la International School Musica Mundi à Waterloo. Il a composé des pièces instrumentales et vocales, donne des concerts solos ou à plusieurs et dirige des groupes vocaux et orchestraux. C'est avec ses yeux de musicologue qu'il nous propose aujourd'hui plusieurs vidéos de musique juive pleines de douceur et de nostalgie. Merci beaucoup à David de faire partie de ce beau projet. Laissez-vous emporter par la musique et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo avec tous vos amis. Chers amis, j'ai mis en musique le Shema Israël et je voudrais partager avec vous une version que j'ai réalisée avec le ténor Teun Michiels. Le Shema Israël invoque le principe du Dieu unique. On peut entendre cela comme une pensée religieuse ou une métaphore poétique ou encore une proposition philosophique. En cette période éprouvante, la planète, plus que jamais, devient un village où l'action des uns impacte la vie des autres. La solidarité est remise à l'honneur et cultivée à nouveau. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une excellente santé. Prenez soin de vous. Oh,
Que me